Salut à tous, on revient sur un nouvel épisode. Infiltrer la base d'Adept. Donc, nouvel épisode de Doom Eternal, évidemment, j'ai pas précisé. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Donc, un petit objet. La base Adept. Dirigé par mystérieux prêtre de l'enfer d'Aegranach, qu'on a vu au début, il y a trois épisodes. Les adeptes se terrent dans un complexe isolé situé dans une toundra arctique. En tant que superviseur, Ranak jouit d'un contrôle absolu sur l'installation et ses hordes d'acolytes possédés. Élément indispensable du soulèvement des adeptes, Ranak avait brièvement travaillé avec Olivia Pierce dans le complexe sur Mars avant de s'installer sur Terre afin de préparer le terrain pour une invasion infernale imminente. Une biographie récemment déclassifiée par l'UAC concernant Ranak indique qu'il est un survivant du premier ordre des Deks, l'ancien ordre religieux d'Argenta. Servant maintenant les forces de l'enfer, il connaîtrait apparemment personnellement le Slayer, ce qui indique potentiellement l'existence d'une relation en liant les deux êtres, contrôlant d'une main de fer les adeptes sous ses ordres. Il se sert de son influence croissante pour faire avancer la corruption et la consommation totale de la Terre. Bâti sur les ruines d'un ancien campement d'Argenta, la base d'adeptes a été conçue aussi bien comme monument gothique à la gloire de l'ancienne architecture que comme complexe scientifique dernier cri. Des tablettes et banques de données trouvées dans le campement indiquent que l'ordre de Deck aurait découvert la Terre il y a des millénaires. Ok. Ok. Yes! Ça en fait du texte. Et des cercueils. Tout est normal. Les défis de mission sont des épreuves facultatives que vous pouvez terminer à tout moment au cours d'une mission. Terminer un défi de mission pour remporter un point d'armure prêteur. Terminer tous les défis de mission pour obtenir une batterie sentinelle. Suivez votre progression dans l'onglet défi du dossier tab. C'est vrai qu'on peut refaire toutes les missions. C'est très intéressant, le jeu est très bien pensé pour ça. Oui, d'accord. Oui. Je suis pas sûr que tomber là soit une... Ah. Oh là là. Oh, il y a un truc là. Je vais choper ça vite fait. Juste un truc, du coup, il y avait une plateforme. Il y a un truc à l'extérieur. Putain, faut faire le tour. Faut faire le tour, on va avancer, puis on verra bien. La seule question, c'est... Yes! Ah ouais, ok. Je vais trouver un autre chemin. Mais... ça passe.
Ok. Le prêtre de l'enfer se trouve entre ces murs. Sa localisation exacte m'est encore inaccessible. Putain, le visuel est superbe. C'est quoi ce truc? Voilà. Oh putain, oui, il y a un gros truc, j'avais même pas fait gaffe. Putain, il y a des animations dans tous les sens. Quelle que soit la façon dont vous arrivez, c'est adapté, c'est varié. Alors. Ah. Ah, je peux pas m'accrocher au truc, il y a des pics. Et là où il y a ça. Ok, juste dans le doute. Putain, comment on se débloque ce truc là? Cela, il va falloir débloquer ça pour accéder là-haut. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ici?
Ok, bah oui, sévère. Ok, bon. Donc par là, c'est pareil, il n'y a pas de passage. Donc... Ah, ce sera sur la fin. Ok. Alors. Bienvenue, Slayer. Ma fin est donc venue. Voyons si vous êtes assez fort pour survivre à cette citadelle maudite. Voilà. Slayer est arrivé. Que tout le personnel non mort en soit informé. Ça, c'est bien dit. D'accord. Oh la vache, des nouveaux. Ok. Donc les Mancubus. Ah, j'aime pas les gros lourds. Ah, passage ouvert. Ça tire dans tous les sens là. Merde, j'ai oublié.
Ah putain, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Crève, crève, crève. Ben voilà. On est où là? Ah ben là, voilà la partie qui était à côté du début là. Est-ce que je peux descendre là-dessus? Ouais, non, mais je suis curieux. Non, on peut pas. Si vous posiez la question... On peut pas. Et là, ça va vers où? La vache, c'est bon, j'ai vu. Bon bah il se fait la main. Putain, j'ai plus que ça. Bon alors. Ok, ça c'est le truc du début. Ok. Bouclier énergétique. Ok. Plus de munitions, moi j'ai la solution.
Ok. J'avais vu de la mune. Ok. Alors, soit il y a un bug, ce qui est possible. Ok. J'ai dû louper un truc. Est-ce que ça a changé quelque chose là-bas ? Non. Non, là je suis en pleine zone de combat. Donc ça devrait se friter. Mais à mort, hein. Et en fait, bah non. Bon allez. Là-bas. Ok. Voilà une arme qu'elle est bien. Wow, wow, wow.
Oh la vache! Non mais sérieusement? T'es où, enfoiré? Alors là, il faut aller là-bas. Ok, alors là, j'ai pas noté précisément. Il se passe quoi là de ce côté-là? Ah non, c'est à cette hauteur-là en plus. Ok, alors. J'ai peut-être... D'accord.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va débloquer? Glory Kills plus rapide, obtenez un bonus de vitesse pour avoir une Glory Kills. Ça, ça me va. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose à voir ici? Bon, là, apparemment, il y a une vie, mais bon... allez, on va finir l'épisode là-dessus. Je vous dis rendez-vous au prochain. À plus.